elles sont belles ces barques. Elles sont magnifiques ces bateaux. Ça ne doit pas gêner beaucoup, hein, on vient. Julie va partir. Pas partir. Il n'a pas envie. Cet arbre est magnifique. Alors, moteur à fond. 1,6, 1,5. Mais bon, on perd de la vitesse là. Ouais, on perd de la vitesse. Il va falloir qu'on rame. On a un moteur, il va falloir qu'on rame. Le pont de la voie de chemin de fer. C'est Eiffel qui l'a fait parce que... Ouais, elle est, on dirait bien que c'est Eiffel qui aurait fait ça. Ça ressemble bien à ces constructions. Alors c'est une double voie, je sais pas, on dirait, peut-être, non, je sais rien. Elle est bizarre, mais elle est désaffectée, on voit même pas les voies. Ouais, non, on voit les voies. Parce que si elle a dit que c'était un truc, c'est pas trop. Alors on vient de comprendre pourquoi on n'avançait plus. Il y avait de la choucroute dans l'hélice. Donc on a enlevé la choucroute et maintenant on est passé de 1,6 km/h à 4,9 km. C'est long. A une grosse problème, un gros bateau face à nous. Non, ici, là, c'est magnifique. Ouais, vas-y, vas-y. Ça, c'est ça. On va être dans les turbulences, une méga péniche qui va passer. C'est énorme. Parce qu'il y a une écluse là. Ouais. Ah, joli passage d'une péniche. Ouais. Regarde comme elle brasse le canal. Eh ben, elle va nous pousser. Nous allons prendre 12 km/h dans les. dans le tirant d'eau, dans le courant d'eau de la péniche. Allez, vas-y, prends le courant d'eau. Ah, on va rigoler. On fait comme on peut. Avec la vitesse qu'on a. Heureusement qu'elle pousse pas à l'eau dans l'autre sens parce que. Parce qu'elle ça peut arriver. Incroyable la péniche qui est partie là-bas. Regarde ça, c'est les belles. Ah ouais, elle est comme. Oh alors, là, l'odeur d'une péniche, on peut dire que ça pollue bien. La péniche avance pas vite. Mais alors qu'est-ce qu'elle pollue ? Ah, alors là, on est dans deux ou trois grenouilles. Bon, mais c'est pas un vrai. Non, il bouge pas. Oh, ils nous ont eu. Oh, putain, c'est pas un vrai. Il bouge pas. Thank you.
remparts sont immenses. Hein. Ouais. Faudra qu'on y aille au-dessus là pour voir. Ouais. Ah ouais, ça doit brasser. Hein. Oui, on passe sous le pont, de toute façon on peut pas aller plus loin, après c'est dans la... c'est dans l'écluse. On viendra filmer l'écluse tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire qu'elles ont passé là, tu te rends compte toi? Ben voilà, l'affaire qui est faite. C'est rouge. Alors ce bateau. Là, je fais des balades commentées, une bonne heure. Ouais. Et puis je pars d'ici, je fais un petit crochet juste à l'entrée du canal Charles Quint, parce qu'après moi je peux pas naviguer. Ah oui, il faut pas que je... Si, et puis ensuite, bah, je descends sur l'écluse du Jardin Philippe. J'explique un petit peu comment la genèse du premier château Wadol avec un de nos souverains mythiques dont j'ai perdu le nom, qui s'appelle Frédéric Barberousse. Ah, voilà, ça revient. Et puis Frédéric Barberousse, bah, il y a eu toute une politique de grands travaux, donc le premier pont sur la rivière, le pont Roman. Et après, on file sur le pont de la Corniche, puis on va naviguer jusque vers la Coparque. D'accord. Et ça fait une balade d'une heure et une heure. D'accord. Suivant le temps de passage. Et ce bateau vient de Venise. Exactement. Exactement. Et ce bateau-là, on l'a restauré, et c'est devenu un bateau à passagers, un bateau promenade. Ah ouais, mais il est magnifique. Hein. Alors celui-là, il est pas encore. Ah ouais. Pas encore. Il faudrait une sacrée batterie. Là, on va aller.